en le voyant sortir de son camion, chasser des papillons d'Afrique. Les cannibales, en le traitant d'espion, l'arrêtaient sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois, mais sans voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo, la montre et les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Uno, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues de filles toutes nues et dit: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses filles nues, il rit. Mais dans sa tête une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars qui, en voyant les femmes se ruer sur lui avec tant d'appétit, hurla: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Pendant 8 jours, il resta enfermé et dut se partager en vin. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdut 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste: allez, prends ton camion et retourne chez toi, le pauvre homme s'écria: jamais. Monsieur cannibale, je préfère mourir. Monsieur cannibale, je ne veux plus partir.